monde, je suis Lise de l'Imprélise et bienvenue à mon podcast où je parle d'habitude de mes tricots, de mes envies de tricots, de mes laines bien sûr et de différentes nouvelles. Donc comment allez-vous? Moi je vais bien, un peu mieux. J'ai eu mon opération pour mon genou il y a environ 3 semaines. La première semaine, je pensais que, ouais, super, je vais tricoter, je vais lire, je vais jouer à des jeux vidéo, je vais rien faire parce que je peux pas bouger. Ben, finalement, j'ai pas fait grand chose parce que j'avais des nausées à cause de l'anesthésie et ma tension était très basse. Donc, c'était assez difficile. Je crois que je dormais tout le temps. Mais curieusement, c'était pas un sommeil qui était reposant. Mais voilà, j'y suis arrivée. J'avais trop de chance parce qu'après 10 jours, après mon opération, je suis allée en Belgique pour retrouver Nathalie by Night pour ses portes ouvertes. Et il y avait aussi Cécile, la Fifil et Mathieu avec ses patrons que je dois dire, j'en connaissais quelques-uns. Mais c'était chouette de les découvrir tous de près et j'en ai adoré 2 précisément. Donc, allez voir ces patrons. Je ne me souviens pas exactement de leur nom, mais je vais mettre des photos ici des 2 que j'ai aimés. Donc, le premier, c'est celui-là qui est un peu plus compliqué et que je trouve très, très beau. Et quand je l'ai mis sur moi pour l'essayer, j'ai trouvé qu'il tombait super bien sur mes épaules et j'étais... Mathieu, est-ce que je peux le prendre? Franchement, je l'ai adoré et il a l'air très sympa. Puis le deuxième, c'est celui-là qui est un peu plus simple. Il y a seulement 2 échevaux, donc 2 couleurs. J'adore la forme, je la trouve géniale. Je crois que c'est un super patron pour hommes, pour femmes, vraiment unisexe. Et ce que j'aime, c'est qu'on peut, par exemple, avoir ce que je suis en train de penser peut-être de faire, c'est d'avoir un écheveau d'une couleur ou n'importe, et après, qu'avec des restes, faire les autres rayures contrastantes. Et je suis très excitée, j'aime bien cette idée, je dois dire. Donc, voilà ce que j'ai à dire pour les très beaux projets et designs de Mathieu. C'était super de se retrouver avec Cécile, Nathalie bien sûr, et Jean-Luc, son mari. Je me sens très très chanceuse de pouvoir les appeler non seulement amis, mais comme une partie de ma famille. Ah, bref, ça a été assez fatigant pour moi, pour mon pied, parce que je veux être tout le temps debout. Et il y avait des moments que j'arrivais pas à être debout, ce qui faisait de moi un peu une personne un peu plus grognante que d'habitude. Je ne suis pas très grognon, mais là, il y avait des moments que je crois que je voulais grogner. Je crois que je grognais un peu. Les autres étaient... je crois que ça les amusait. Ils me disaient, alors Lise, ça va? Je dis, oui, ça va, mais je ne sais pas, et je veux ça. Et... Bref, j'étais dans une humeur, je crois, d'une gamine de 5 ans. Que je voulais ceci, je voulais cela, et que voilà, que voilà. Mais je crois que c'était simplement que j'arrivais pas à me reposer assez. Mais le dimanche matin, je me suis réveillée, j'étais ok, vous savez quoi, je me sens moi-même, enfin, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, j'ai la pêche, etc. Et c'est vrai que dimanche, j'étais beaucoup plus différente, je me suis sentie beaucoup plus. Sûr et j'avais moins mal à mon pied. Aussi, c'était très sympa de se réveiller avec un Saint-Nicolas qui est venu un jour plus tôt. C'était vraiment très, très, très touchant, très superbe. Je ne sais pas quoi dire, c'était trop bien. Petit coup de mou quand Cécile et Mathieu ont dû partir. Mais bon, on avait quelques jours devant nous avec Nathalie, donc on a fait plusieurs travaux qu'on devait faire. Moi, j'ai fait la partie administrative de Trélise, etc. J'ai tricoté un peu et j'ai fini 2 projets.
En plus, je les ai finis là-bas. Donc, le premier projet, je l'avais commencé avant, bien sûr. Et c'est mon pull Saiga que je voulais finir quand j'étais après l'opération. Mais j'allais tout doucement parce que j'avais du mal à tricoter à cause de ma tension qui était basse et de mes nausées. Et c'est le pull Saiga de Folie Ordinaire. Donc, merci Mylène pour ce beau pull. Ce que j'aime, c'est que ce pull n'a pas de devant ou de derrière. Simplement, tu le mets, c'est la même chose. Je l'ai tricoté dans ma base Era qui est un light sport. Donc, au lieu d'avoir 366 mètres comme une fingering, elle en a 325, ce qui lui donne un peu plus de corps. Et donc, c'est mon coloris Innocence. Et je l'ai adoré. Ce que j'ai fait différemment que le patron, ce sont les diminutions des manches. Les manches de ce patron sont très serrées et moi j'aime pas ça. Donc j'ai fait simplement 3 fois la diminution qu'elle préconisait. Et après, au lieu d'en faire 15, je crois, de suite, j'ai simplement tricoté jusqu'à mon coude. Et après, j'ai recommencé, j'ai repris et j'ai refait des diminutions, dont on le voit à peu près ici. Et comme je voulais des longues manches, je suis allée vraiment, vraiment au bout de ma pelote. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait les premières diminutions. Je suis allée jusqu'à mon coude d'un côté et après jusqu'à l'autre. Et après, j'ai mis les 2 manches ensemble pour les tricoter, pour être sûre que j'en aurais pas une plus longue que l'autre. Et donc, je suis allée jusqu'à la fin de ma laine. Et après, j'avais pris pour faire le bout des restes que j'avais en confession sur ma base Zeus, qui est la single. Donc, voilà la preuve qu'on peut mettre ensemble de la single avec de la light sport, qui a un peu de métrage, un peu moins, ou avec de la soque, etc. Ça se voit pas. Franchement, et au toucher, ça se voit pas. C'est super, je suis trop contente. Il est trop beau, il est lumineux. Je sais pas, franchement. Ah, franchement, il est trop bien. Merci Mylène pour ce beau pull Saiga et coloris Innocence. Ouais, je crois que je suis comme une petite fille innocente quand je le mets. Bref. Anyways. So, parlons de l'autre projet que j'ai fait. Donc, j'étais supposée faire un bonnet que j'ai aimé avec des couleurs contrastantes, etc. Je me suis dit un peu de jacquard, ça va être fun, etc. Mais une amie à moi et cliente, Kathleen, m'a apporté cette laine. Je me souviens plus comment elle s'appelle. C'est de la laine qui ressemble à de la lopi, mais qui n'est pas de lopi. Donc, c'est une laine mèche. Il va falloir trouver mon bout. Voilà, donc une laine mèche. Et regardez la couleur qu'elle m'a apportée. Elle est belle, non? Oui, elle est belle. Donc, les laines mèches, ben, on tricote, mais simplement on tire très doucement pour tricoter, parce que sinon elle se casse. Mais ce qui est bien, c'est que même si elle se casse, on prend le bout et on commence immédiatement à tricoter. Pas la peine de faire des jointures spéciales, etc. Une fois tricotées, les laines vont se frotter entre guillemets entre elles et elles vont coller. Oh yes, c'est magique. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez de mon bonnet tacard de Kathleen Hunter que j'avais fait avec de la laine Mayak et que j'adore. Il est trop mignon. J'ai l'impression d'être un petit lutin. Je suis un mignon petit lutin. Hein? Yes. Donc, yes. Et donc, pour le bonnet que je pensais faire, j'avais pris les restes du moutarde que j'avais ici. Et je me suis dit, pourquoi ne pas tricoter un autre taquin en commençant avec ça et le reste avec ça. Mais comme j'étais pas très sûre du résultat de l'échantillon tricoté ça tout seul, je me suis dit, je vais mettre avec Shadow and Bones en mohair et soie, donc ma base Poséidon avec. Et je vais les tricoter ensemble et après, je vais tricoter ces 2 ensemble. Vous voulez voir le résultat? Vous êtes sûre?
Il est trop beau, franchement, je l'adore. Tiri! Je l'adore. Il est trop bien, il est trop chaud, il est trop douillet. Je sais pas. Je l'aime. The Taka. It's the Taka Power. The Taka Power. Bref, donc je suis super contente de mon deuxième bonnet. Et finalement, le bonnet que je pensais faire n'est pas encore castonné. Ça fait rien. It's OK. Yes, yes, yes. It's OK. Donc je sais pas, j'ai adoré cette idée qui est venue comme ça un peu à l'improviste. Et voilà, je voulais un autre bonnet, j'en ai un autre et c'est très bien. Je crois qu'à part le Lazy Sweater que j'ai tricoté une deuxième fois pour Flavie, même pas pour moi, parce que pour moi je l'aurais pas fait un deuxième combo, c'est le seul patron que j'ai tricoté une deuxième fois et franchement, je pense peut-être que je vais le tricoter une troisième avec le orange pour être en haut et quelque chose de foncé en bas, comme celui-là, mais en orange. Je sais pas. Et je les aime trop, tous. Tous. J'ai pas envie de le donner, ce bonnet. Je pourrais en faire des cadeaux, mais non. J'ai envie de le garder pour moi. Je suis égoïste, comme pas possible. Mais voilà, bref, je sais pas. En parlant de cadeaux, j'avais fini un cadeau que. En fait, petit spoiler, non, je rigole. En fait, c'est un des patrons qui est. Un des patrons. Le patron, en fait, de la Mystery Box, je l'avais fait pour prendre des photos. J'ai pris des photos et après, je pensais l'offrir à quelqu'un. Et puis, je sais pas où il est. Donc, est-ce que j'ai le temps de le refaire? Probablement. Est-ce que j'ai envie? Mais je peux, oui. Est-ce que ça fera plaisir? Oui. Est-ce que j'ai envie de finir mes petits tricots pour moi? Oui. Est-ce que je veux être égoïste? Oui. C'est mauvais, ça. Bref, je sais pas. On verra. Mais vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi j'ai un problème. Pourquoi je pense être un peu égoïste. Parce que ils sont presque finis. Ils sont presque finis. Et c'est des petits projets. Donc, j'avais pris de. C'est comment son nom? Aiguille. Non. Le bruit des aiguilles, voilà. J'avais pris des laines auto-rayantes. Et ça, c'est la première que j'ai tricotée. Donc, je pensais faire des chaussettes. Et donc, c'est pour ça que j'avais simplement castonné 60 mailles. Et je m'étais dit, voilà, je vais aller au milieu de ma. C'est difficile de parler. De mon cake. Et je vais faire un peu de ribbing. Et après, je vais faire un afterthought heel et la pointe du pied. Mais, deux choses. J'avais pris des 50 grammes parce qu'elle n'avait pas des 100 grammes sur ce coloris que j'avais aimé. Donc, si je fais des chaussettes ici. Mon afterthought heel va être à peu près ici. Et il y aura seulement ça comme chaussette. Ça, c'est peu pour moi comme chaussette pour en hauteur. J'aime bien les chaussettes qui sont plus grandes en hauteur. Vous allez me dire, Lise, tu pourrais garder jusqu'ici ton coloris et après mettre quelque chose de solide et aller plus long. J'ai la flemme de faire ça, premièrement. Et deuxièmement, je ne sais pas si vous savez, mais j'ai jamais fait de mitaine pour moi. Ma première paire de mitaines, je l'ai achetée il y a, je sais pas, en 2016 ou en 2017, à un festival. Et ma deuxième paire de mitaines que j'ai, Rachel de Rachel Saisie pas, m'en avait fait une pour Noël il y a 1 an ou 2 ans, je crois 2 ans, avec des restes de mélaine. Ce qui était très touchant, je les adore, mais j'en voulais des plus longues. Donc, le grand débat dans la tête d'Élise, c'est quand est-ce que tu vas faire des mitaines? Oh, j'ai la flemme, mais tu as froid. Oui. Bref, je les ai jamais fait, j'ai jamais pris la décision. Sauf qu'avant-hier, quand j'ai commencé à faire le ribbing, je me suis dit, oh, regarde, comme c'est douillet, comme c'est bien. La longueur de mon pied, de mon bras, et c'est tout chaud. Donc, je me suis dit, tu vas castonner de la même façon
60 mailles et tu vas recommencer la même chose. Et franchement, c'est trop bien, c'est trop bien. Et vous allez me dire, oui, mais Lise, tu as ce côté qui tourne. Franchement, ça me gêne pas du tout. Je sais pas, ça me donne, fait même un style assez un peu rock, non? Yeah. Donc, en plus, c'est marrant parce qu'un ami à moi, avant-hier, il m'a donné des petits gel packs parce qu'il sait que je suis frileuse. Et en fait, je sais pas, il y a un truc métallique à l'intérieur et tu le casses. Et pendant une quinzaine de minutes, ça fait comme une bouillotte et ça te chauffe. Et donc, je l'ai mis un ici et c'était trop bien, quoi. Mes mains étaient non seulement chaudes, mais genre super chaudes. Et si j'ai très froid, je l'ai mis comme ça. Bref, je suis très contente de mon idée. Donc voilà, ce sera mes premiers auto-rayantes quelque chose. Je dois dire que je suis très contente que ça ne va pas être des chaussettes parce que j'aime beaucoup les couleurs et je vais les voir genre chaque jour, presque. Oui, chaque jour, j'ai froid. Mais d'un autre côté, je suis triste que je n'aurai pas des chaussettes parce que je dois dire que maintenant, je ne sais pas qu'est-ce que je fais de mes chaussettes. J'ai seulement deux paires tricotées et ça devient triste, cette situation, moi et mes chaussettes. Donc, je voudrais avoir plus de chaussettes, mais voilà, je fais des mitaines maintenant. Bref, voilà. Le deuxième projet qui est en priorité, donc dans les petits projets pour finir des projets, c'est ce bandeau. C'est le bandeau Simone de Atelier Emily que, bien sûr, Nathalie m'avait fait découvrir en été. Je dis bien sûr parce que beaucoup de choses... je les découvre avec Nathalie ou il y a une cliente qui lui a dit ça ou elle fait autre chose. Et on a des styles qui sont différents, mais aussi pareils. Donc, je ne sais pas trop comment expliquer. Par exemple, elle aime beaucoup la dentelle, etc. Et elle regarde d'autres patrons que moi, je ne regarde pas. Je ne sais pas, à chaque fois, on a un mélange. Et tu as vu celui-là, et tu as vu celui-là. Et après, moi, je lui montre. Et je ne sais pas, j'aime trop ça. Donc, ça, c'est Simone. Donc, c'est un handband. Donc, un tête-cerveau. Un bandeau. Et normalement, il y a un mohair. Mais moi, en fait, à l'époque, je l'avais tricoté sans mohair. Parce que je venais justement de teindre Shadow and Bones, mon coloris. Et je voulais voir comment il allait donner. Et en plus, comme il est double, on va en rond, je me suis dit, oh, il sera assez chaud. Donc, on peut soit le mettre comme ça et faire le nœud ici. C'est ce que j'adore pour ça, c'est que premièrement, on peut le mettre de différentes façons. Et deuxièmement, les bandeaux, une fois qu'ils sont tricotés et mis, ils vont s'élargir, ils vont perdre un peu leur élasticité. Et donc, moi, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire des bandeaux, mais j'avais peur qu'il ne va pas être assez serré et voilà, et je vais perdre mon temps. Tandis que celui-là, il est trop sympa parce qu'il y aura un petit nœud ici. Bref, normalement, le patron, il a d'un côté des dorsades, de l'autre côté, il en a, de l'autre côté, il n'en a pas. Mais moi, bien sûr, je n'ai pas très vraiment lu, j'ai vu les torsades et je me suis dit hop, voilà un rang, chaque 4 rangs je fais des torsades. Donc voici le résultat, mais finalement j'aime bien qu'il y a des torsades des deux côtés parce que comme ça il n'y a pas de bon côté ou de côté à l'envers. Et j'aime beaucoup les couleurs, ça fait presque des rayures comme ça abstraites, sauf qu'ici il y a plus de rose et de l'autre côté plus de jaune vert, mais j'aime beaucoup ça. Bref, j'ai à faire, je crois, encore ça du corps, de ça, et après faire la petite bandelette, et ce sera bon. J'aimerais les finir jusqu'à Noël, mais bon, je ne sais pas, parce que j'ai beaucoup de choses à faire, mais j'espère les finir jusqu'à Noël. Et à Noël, je vais castonner, j'espère avec vous, je vais faire un cal du Newspaper Pullover de Rocky Locatelli. Sur mon Ravelry, vous pouvez venir me joindre, nous joindre en montrant vos laines et ce sera jusqu'au 15 février. Je dois dire que je pensais le faire en Star Wars et le Louvre, mais finalement, je ne sais pas.
J'ai pas mis de laine de côté. Je pense que je vais en teindre, mais je sais pas quoi. Hier, c'est la première fois que j'éteins après beaucoup de temps et j'ai fait des nouveaux coloris. Donc peut-être que je vais utiliser des nouveaux coloris. Je sais pas du tout. En ce moment, il y a des précommandes sur le site Trélise. J'attends les nouvelles laines, les nouveaux coloris qu'ils soient bien secs pour pouvoir prendre des photos, pour pouvoir les mettre eux aussi en listing pour que vous puissiez en acheter. Et je mettrai aussi des précommandes. Comme ça, si vous les voulez dans une autre base, vous pourrez les choisir. Donc voilà, j'ai pas d'autre chose à dire. Je vais essayer de faire une petite vidéo avec les nouveaux coloris d'ici là. Maintenant, il commence à faire plus tard ici et le soleil va partir et les échevaux ne sont pas sèches. Donc malheureusement, je ne peux pas vous les montrer cette fois-ci. Mais je suis très contente d'avoir pris le temps de vous parler un peu. Si je ne fais pas d'autres vidéos jusqu'à la fin de l'année, je pense que oui, j'en ferai. Je vous souhaite le meilleur. Beaucoup de bonne santé à tout le monde, à vos familles. Soyez bien, soyez heureux. Ayez de l'amour à côté de vous, pour les autres. Tricotez, restez au chaud. Et n'oubliez pas, color is power, fiber is our weapon.